La grande différence entre parrainage ou sponsoring et mécénat tient à l'existence ou non d'une contrepartie en faveur de l'entreprise. Le mécénat est un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne morale pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. Il consiste donc à faire un don, en numéraire ou en nature, à un organisme d'intérêt général pour la conduite de ses activités sans attendre en retour de contrepartie équivalente. Il peut être exceptionnel ou récurrent. Par exemple, dans le cas d'une entreprise qui verse la somme de 10 000 euros à une association de lutte contre le cancer, la dépense constitue une dépense de mécénat. Relevons toutefois que l'association du nom de l'entreprise versante aux opérations réalisées par l'organisme relève du mécénat, à condition que la valorisation du nom de l'entreprise ne représente qu'une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé, ou si elle se limite à la mention du nom du donateur, quel que soit le support de la mention et la forme du nom, à l'exception de tout message publicitaire. Le sponsoring est quant à lui un contrat par lequel une entreprise finance une activité culturelle, sportive, artistique ou scientifique en échange d'une promotion et d'une publicité de sa marque. Il y a un but commercial et le versement de l'entreprise correspond alors à la rémunération de la prestation rendue par l'organisme. Par exemple, une entreprise soutient financièrement une manifestation festive. Sa marque apparaît sur l'ensemble des supports de communication et la manifestation est utilisée dans les slogans publicitaires de l'entreprise. En contrepartie, l'organisme organisateur accorde à l'entreprise une exclusivité de vente de son produit pendant la manifestation. Le soutien financier de l'entreprise constitue alors une dépense de parrainage.